Je m'appelle Yves Gauvin et je suis apiculteur. Je m'appelle Jérôme Gauvin et je suis apiculteur. L'apiculture, c'est quelqu'un qui garde des ruches. Garder des ruches, ça consiste en quoi? Ça consiste à essayer de contrôler l'évolution de la ruche. Parce que nous, là, les ruches, ça n'a pas besoin d'un apiculteur pour vivre. Les abeilles, dans la région de Saint-Hyacinthe, dans l'hémisphère nord, s'il n'y aurait pas d'apiculteur, il n'y aurait pas d'abeilles. Parce que l'abeille ne peut pas vivre d'elle-même en hémisphère nord. L'abeille ne pourrait pas vivre en haut de la région de Niagara. En abeilles sauvages. Fait que nous, les apiculteurs, c'est d'essayer de leur donner le maximum de confort possible pour... c'est certain qu'on fait de l'agriculture, là. Fait que si on veut vivre de l'apiculture, bien, à ce moment-là, il faut voir à leur donner le maximum de confort possible puis faire tout le contrôle on parle souvent de la reine en apiculture. C'est elle qui est le cœur de la ruche. Fait qu'elle, il faut contrôler, avoir des jeunes reines pour avoir le maximum de population possible. En ayant le maximum de population possible, on va faire le maximum de miel. Fait que l'apiculteur, son rôle, c'est d'essayer, sans jouer avec la nature, mais de donner le confort qu'il faut à l'abeille pour essayer. Parce que l'abeille est sur la terre, en partant, c'est pour polliniser. La pollinisation, l'abeille n'est pas sur la terre pour faire du miel. Elle est sur la terre pour polliniser les fleurs, pour avoir plus de fraises, plus de framboises, plus de pommes. Si on n'avait pas d'abeilles demain matin, bien, on vivrait quand même, mais il nous manquerait beaucoup d'aliments. Puis s'il n'y avait pas d'apiculteurs, mais il n'y aurait pas de ruches. Au Québec, il n'y aurait pas de ruches. Fait que là, c'est ça. L'apiculteur, là, son rôle, c'est d'essayer de garder, dans le contexte actuel de l'agriculture, du changement climatique, tout ça, on a des nouveaux défis. Puis c'est ça qui est plaisant en apiculture, c'est de relever les défis pour vivre en harmonie avec la nature, puis l'apiculture, puis l'apiculteur. On essaie de créer une harmonie, puis quand on aime ça, on trouve la manière. L'apiculture, pour moi, là, c'est... comme je dis, je suis venu au monde en apiculture. Mon père a commencé en apiculture en 1940. En 1940, mon père était un des aînés, pas l'aîné, mais un des aînés d'une famille de 14 enfants. On était pendant la crise. Il n'y avait pas le sucre qu'il fallait pour la maison. Puis il y a eu, par le curé Lusignan, dans le temps, à Saint-Thomas-d'Aquin, qui l'a encouragé à garder des ruches. Fait que là, il y avait un monsieur qui avait mis des boîtes vides, des ruches vides là, chez son père. Puis là, le curé Lusignan avait des ruches. Fait que lui, il l'a encouragé à mettre des abeilles, prendre dans ses ruches à lui, mettre des abeilles dans ses ruches-là, pour partir en apiculture. Puis c'était pour un besoin familial à ce moment-là, mais il y a eu l'apiculture. Fait que là, son rêve, ça aurait été de l'entreprise que j'ai dans le moment. Ça, c'était le rêve à papa, là.
Fait qu'en 1940, il commence avec ses cinq premières ruches, mais la vie fait que, bon, il rencontre ma mère, puis là, on est dans le temps où ce que les grosses familles encore. Fait qu'ils ont 11 enfants, j'ai 10 frères et sœurs. Fait que son rêve de partir en apiculture à plein temps, il n'a pas pu le réaliser avant là, les années 60 parce qu'il avait besoin de faire vivre ses 11 enfants, comme de raison. Mais l'apiculture faisait que nous autres, ça nous donnait aux enfants une certaine aisance parce que papa, il aimait l'apiculture, mais il n'avait pas la connaissance, mais il aimait les abeilles. En faisant du miel, bien, ça nous permettait d'avoir des effets scolaires, d'avoir du beau linge, d'avoir ça. Ça payait le confort de notre famille. Moi, là, en 1900, début des années 60, ben papa, il dit, si t'aimes ça, les ruches, tu pourrais t'en acheter. Comme ça, tu pourrais avoir un petit peu, tu sais, de ton miel à toi, puis faire des affaires. Fait que là, ça m'intéressait. Fait que là, j'ai acheté mes premières ruches. Puis en 1963, là, j'avais mes 15 ruches, là. Puis là, je travaillais, on allait aux ruches ensemble, c'est certain, là. Puis tout ça s'est enclenché vers un rêve qui était de monter une ferme apicole. Mais là, il y a un de mes frères... Bon, là, moi, j'ai laissé l'école. J'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé l'école. Fait que j'ai laissé l'école pour remplacer papa sur la ronde de lait pour que papa puisse grossir le rucher. Il y avait une centaine de ruches. Là, à ce moment-là, on a autour de 100 ruches. Puis là, il se consacre à l'apiculture. Puis là, moi, bien, comme de raison que, bon, je rencontre mon épouse, la ronde de lait ne peut pas me faire vivre, l'apiculture non plus. Fait que j'ai été travailler en usine. Puis là, il y a un de mes frères qui a laissé l'école pour venir aider à papa. Puis là, ils ont vendu il y a un autre de mes frères qui a fait la ronde de lait. Et là, ils ont grossi le rucher. Mon frère Paul, avec papa, ils ont grossi le rucher autour de 300 ruches. Puis là, bien, moi, j'étais à l'usine, puis je m'ennuyais. Je ne voulais pas rester. Je disais, je ne peux pas passer ma vie en usine de même tout le temps. Là. Mais par contre, l'usine, c'était dans le textile. Et le textile, ça fait en anglais. Ça m'a donné mon anglais. Et l'apiculture, tu peux évoluer avec l'anglais beaucoup plus vite qu'avec le français. J'ai un très bon salaire où je travaille, mais ça me fait pas. J'aime pas ça. Fait que là, au lieu de prendre des REER, bien, j'étais secrétaire de l'Association des apiculteurs professionnels du Québec. Puis là, ça, je vous compte ça. Là, il y avait une petite revue qu'on envoyait 2-3 fois par année aux apiculteurs. Puis là, j'étais en charge de la petite revue. Fait que quand quelqu'un annonçait son matériel apicole pour le vendre, pour me le faire annoncer dans la petite revue, j'allais voir si le matériel valait la peine d'être annoncé. S'il valait la peine, je l'achetais. Puis s'il valait pas la peine, je l'annonçais. Fait que là, j'ai rempli une étape de matériel de ruche demain. Parce qu'au lieu d'acheter des réels, j'achetais du matériel de colle. Puis éventuellement, en 1975, j'ai fait le saut pour vivre à plein temps de l'apiculture. Puis là, bien, on a vécu... C'était il y a des années dures. Les années 70, là, les gros apiculteurs me disaient, tu peux pas... je côtoyais déjà les associations, tout ça. Ils disaient, tu vois, c'est bien dur l'apiculture. C'est dur l'apiculture, c'est pas facile. Là, il y avait des nouvelles maladies. Comme aujourd'hui, on a des nouvelles maladies qui arrivaient. Puis ils disaient, ça sera pas facile. Mais j'avais tellement le désir d'y aller que je disais, s'il y a un problème, il y a une solution. On va trouver la solution, mais pour trouver la solution, il a fallu s'impliquer. Puis là, c'est là que je me suis impliqué dans à peu près tous les organismes apicoles. Puis j'ai rencontré des gens fabuleux, des gens d'Europe, des gens des États-Unis, des gens de partout, qui nous aidaient parce qu'en Europe, il y avait les problèmes avant nous autres. Fait que là, on pouvait, tu sais, en faisant des colloques, en informant tout le monde, puis tout ça. Puis j'ai eu la chance de ne pas avoir de misère en social, de ne pas avoir de misère à m'exprimer, puis à aller rencontrer les gens. J'ai pas de gêne avec ça. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, dans la vie, t'as des talents, tes exploits. Fait que là, j'ai eu cette chance-là. Puis on a trouvé des manières. Puis l'apiculture fait que ces petites abeilles-là, là, eux autres, là, ils veulent vivre. Ils veulent vivre, mais ils sont tributaires de l'environnement, de l'agriculture. Puis l'agriculture, dans toutes ces années-là, l'agriculture, elle évolue à grand V. Là. L'agriculture s'est modernisée beaucoup, puis moi, je suis content de voir ça. Mais l'apiculture, elle n'a pas
pu évoluer à même vitesse que ça. Fait que là, on a fallu s'adapter. Mais il y avait toujours une solution, puis là, il a resté des apiculteurs. Mais il reste que depuis 1975, que moi, là, je suis impliqué beaucoup, on n'a jamais produit bien plus que 25-30% de la production de miel au Québec. Puis là, ça, c'est un frein. Moi, je me suis toujours impliqué parce que je disais toujours, au Québec, il faudrait avoir autour de 100 000 ruches pour créer un besoin, pour répondre aux besoins. Mais on a de la misère à dépasser. On s'est rendu une fois à 100 000. Mais on a de la misère à dépasser 50, 60 000 ruches en production. Puis c'est toujours ça, toutes les colloques faits. Bien, il y a beaucoup de jeunes apiculteurs qui viennent en apiculture, mais qui ne restent pas en apiculture à cause, monétairement, c'est dur. Puis, tu sais, même moi, avec mes enfants aujourd'hui, qui ont pris ma relève, ça, c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Tu sais, la vie fait bien les choses à un moment donné. J'étais avec mon frère en apiculture. Les varroa arrivent en 2003. Là, il y a un gros problème qui se produit. On perd 50 % de nos ruches. Fait que là, il y a une décision qu'il faut prendre. Mon plus vieux est prêt à venir en apiculture avec nous autres. Fait que là, mon frère a gardé la mise en marché. Mon frère Paul, comme j'ai dit tantôt, a gardé la mise en marché qui se faisait à la Providence dans ce temps-là. Et moi, j'ai gardé la production pour se concentrer, pour essayer de comprendre le problème, pour le régler. Puis les varroa, eux autres, ils font les dommages vite dans les ruches. On ne peut pas se permettre d'être 15 jours, 3 semaines sans aller voir les ruches, parce que les varroa va gagner. Là. Bien là, mon plus vieux, lui, Philippe, il vit avec moi dans ça, puis bon, tout ça. Puis il n'est pas découragé. Puis il me dit toujours, père, arrête de voir les ruches qui ont des troubles, on va regarder les ruches qui vont bien. Le troisième garçon, lui, il travaillait, Jérôme, il travaillait chez CIMAC ici, à la machinerie agricole. Il était en charge du garage. Il m'avait déjà dit ça. Il dit, père, il dit, quand que tu t'arrêteras, j'aimerais ça prendre la place. Mais là, il gagnait un très bon salaire chez CIMAC. Puis là, moi, à un moment donné, l'âge étant là, j'ai faibli. Je n'étais plus capable de... J'étais un frein à l'entreprise. Fait que là, je disais à mon plus vieux, Philippe, il va falloir engager quelqu'un parce que moi, je suis plus capable de suivre. Puis l'entreprise, il faut continuer à progresser. Puis bon, la fatigue était rendue. Puis là, mon garçon Jérôme, il vient me voir, il dit là, il dit, ben, il dit, pourquoi tu vas engager quelqu'un? Je te l'avais dit, moi, je peux prendre la relève. Bon, mais je dis, on ne peut pas te donner le salaire. On ne peut jamais te donner le salaire que tu gagnes chez CIMAC. Il dit, ça, c'est pas grave. Il dit, papa, et tu nous as emmenés aux ruches. Puis moi, j'ai bien aimé ça, travailler avec toi et avec Alain Ruche. Mais chez CIMAC, je ne peux jamais amener mes enfants à travailler avec moi. Fait qu'il dit, moi, l'apiculture, ça m'intéresse. Ah ben, je deviens à mon homme. J'ai travaillé toute ma jeunesse sur l'entreprise familiale. Puis après, ben, je suis allé étudier. Puis j'ai fait 10 ans de travail à l'extérieur. Puis mon souhait, c'est de revenir sur l'entreprise familiale, continuer ce que mon père et mon grand-père avaient commencé. Je suis la troisième génération. Il y a une quatrième génération qui s'en vient, qui sait. Puis c'est ça, je suis fier de notre entreprise qui est depuis 1940 en fonction. Moi, je m'occupe plus de la mise en marché. On a chacun nos créneaux. Mon frère, c'est plus la production. Moi, c'est plus la mise en marché. J'aime ce côté-là, en fin de compte, de développer des produits, la vente. C'est un domaine que j'aime. Bien, les enfants, en fin de compte, c'était une fierté pour moi et pour eux aussi. Puis je pense que c'est un bon leg à donner à nos enfants, de leur apprendre à travailler, puis les bonnes méthodes. Moi, j'ai appris avec mon père. C'est une chance, en fin de compte. On est ensemble quasiment 7 jours sur 7. On a la chance d'avoir une famille unie. On discute ensemble, on en vient tout le temps des consensus. C'est le beau de notre entreprise familiale.
quand tu es propriétaire d'une PME, où, c'est sûr que les heures sont pas comptées. Là. On travaille quand c'est le temps de travailler, puis quand c'est le temps de s'amuser aussi, on prend le temps. Mais c'est certain que nous, c'est vraiment des périodes dans l'année, comme dans n'importe quel type d'agriculture. On a des temps plus forts, des temps plus tranquilles. Mais normalement, là, nous, c'est les saisons de printemps, été, automne qui sont vraiment les plus occupées. Dans la vente, la mise en marché, ça n'arrête jamais, c'est à l'année. Mais si on est entrepreneur, faut pas compter nos heures, sinon on serait malheureux. C'est l'adaptation à tous les jours, que ce soit dans l'apiculture avec les abeilles, que c'est un domaine qui est tout le temps en changement avec avec l'environnement, mais c'est la même chose avec la mise en marché. Il faut s'adapter, il faut suivre les modes, il faut suivre la technologie. C'est certain que c'est un défi de tous les jours. Il faut vraiment être ingénieux. C'est pour ça qu'on est, puis on s'entraide dans nous autres. C'est pas parce que moi, je m'occupe de la mise en marché que mon frère aussi, il a son mot à dire. Puis c'est la même chose pour moi pour la production. On est vraiment une équipe. On fait tout ensemble. Fait que on a tout le temps des défis à tous les jours à relever. Puis c'est ce que j'aime. Mon père nous laisse carte blanche. Je pense que lui, il a fait, comme il dit, il a fait son bout. Nous, on va faire notre bout, puis on s'adapte selon les années, selon les modes. Mais non, moi, j'ai pas de pression. C'est vraiment, je suis fier de continuer l'entreprise. Puis je suis pas inquiète que mes enfants, s'ils veulent reprendre l'entreprise, ça va être la même chose pour moi. Dans l'apiculture, moi, je vois pas de compétition. Je vois juste du monde, des confrères. Et on aide souvent les jeunes apiculteurs. Par des conseils, on vend des abeilles. On vend des produits aussi, quelques produits à des apiculteurs qui se partent. On donne des trucs. Je pense que l'important, c'est pas de nuire dans ce domaine-là, mais c'est de s'aider. L'abeille, c'est brun et noir. C'est pas jaune et noir. En partant, là, si c'est jaune et noir, c'est une guêpe. Mais c'est une guêpe, ça doit exister aussi, là. Mais l'abeille, tu la verras pas sur un cœur de pomme. Tu la verras pas... L'abeille, c'est pas charognard. L'abeille, ça va sur les fleurs. L'abeille, elle, son rôle, c'est de faire de la pollinisation. Le miel, là, ça, c'est l'apiculteur. Comme le producteur laitier prend du lait à la vache devrait donner du lait pour son veau, bien, l'abeille, en jouant un petit peu avec les populations, fait qu'elle fait un surplus de miel que nous autres, on peut prendre puis mettre en marché. La guêpe ou le gros bourdon, là, on appelle le thon, le bourdon, là, le jaune et noir, lui, c'est vraiment un pollinisateur. Bien équipé, mieux équipé que l'abeille encore. Mais par contre, il fait une pollinisation à très courte distance autour de son nid. Tandis que l'abeille, elle va aller jusqu'à 3 km autour de son rucher pour faire de la pollinisation. La guêpe, c'est pas le problème de la guêpe et du bourdon, ils hivernent juste un. Et la guêpe ou le bourdon s'en vont dans la terre à l'automne pour geler, mais pas geler. Là. Ils descendent assez profond pour pas geler tout assez. Puis au printemps, ils vont repartir, mais ils repartent à un. Tandis que l'abeille, quand on la rentre en hivernement, on a à peu près 20 000 abeilles qui rentrent avec notre reine. On la rentre en hivernement, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, il y a différentes méthodes d'hivernement. Puis on va sortir à peu près avec 15 000 abeilles qui restent dans ma ruche. Ils vont en mourir 5 000 dans l'hiver, c'est normal. Là. Les abeilles qui sont venues au monde, là, qui viennent au monde à ce temps-ci, dans le mois d'octobre, et eux autres, ils butinent à peu près pas. Fait qu'ils s'usent pas. Fait qu'eux autres vont passer l'hiver. Mais par contre, l'hiver, les maganes, au rendu au pissenlit, là, toutes les vieilles abeilles vont être mortes, mais ils ont assuré la survie de la ruche pour arriver, quand on arrive dans le temps de la pollinisation des vergers ou on va au Bleuet ou au Lac-Saint-Jean, on a des populations autour de 30, 40 000 abeilles. Tandis que là, la guêpe et le bourdon, ils sont 5-6. Sont pas encore gros dans le nid. C'est pour ça que l'apiculture vient très, très importante pour plusieurs productions au Québec. Puis si on veut manger des fruits et des légumes, ça prend des abeilles.
Puis moi, dans toutes les rencontres que j'ai eues avec toute l'industrie agricole, on avait défini c'est, qu'est-ce qu'on fait avec l'apiculture. Est-ce qu'on rend des régions maudites à l'apiculture? Autrement dit, qu'il n'y aurait plus d'apiculture, comme nous autres ici, mettons dans la région de Saint-Hyacinthe. Mais tout le monde, toute l'industrie a dit non. Il faut trouver des méthodes pour garder l'apiculture dans toutes les régions. C'est un signe de santé. L'abeille, elle, si l'abeille vit, là, l'agriculteur, il va bien vivre aussi. Tu sais, parce que quand on utilise, moi, je pense qu'on a été trop loin dans les pesticides, là. Pas pour tuer les abeilles, pas pour mal faire, là. On est parti tellement loin d'agriculture qu'en voulant. Mais là, aujourd'hui, le monsieur Lamontagne vient d'annoncer, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, une subvention pour les agriculteurs, pour mettre moins de pesticides. Puis ça, c'était un rêve depuis longtemps. Fait que nous, l'apiculture, on devrait s'en tirer mieux. Puis toute l'agriculture devrait s'en tirer. Puis tout le monde aussi, parce qu'on ne veut pas personne manger des pesticides. Mais l'abeille reste un gardien de l'environnement. Fait que là, tu sais, quand l'abeille vit bien, ça va bien. Puis ici, là, dans la région, dans Montérégie, là, c'est les Montérégie-Est, Montérégie-Ouest, c'est les plus grosses régions apicoles du Québec. Hein. C'est surprenant. C'est pas nous autres qui fait le plus de miel par ruche, mais par contre, on est plus proche du consommateur. Quand on veut monter, comme ici, on a monté nous autres, puis il y en a d'autres dans la région aussi, là, des mises en marché. Des mises en marché à proximité avec le consommateur. On parle de consommateur de proximité, tout ça. Fait que, tu sais, on est dans des belles régions pour ça. L'apiculture, là, on est dépendant de nos voisins. Le citadin, pour encourager l'apiculture, c'est assez simple. C'est de quand on fait notre terrassement, ces choses-là, pourquoi qu'on ne met pas des plantes à miel? Au lieu de planter un érable, on peut planter un tilleul. Un tilleul, ça fleurit. Puis, les abeilles aiment ça. Ça fait un miel de tilleul, un bon miel. Puis informer nos enfants que les abeilles, c'est pas ça, c'est pas les guêpes là, qui viennent à nous achaler. Fait que l'apiculture devient un service essentiel à l'agriculture et à la consommation qu'on a. Moi, je pense que le consommateur, en achetant aliments à Québec, encourage l'apiculture, qui achète miel Gauvin ou qui achète toutes les autres. Moi, comme je dis, les autres apiculteurs, ce n'est pas des compétiteurs, c'est des confrères. Puis, comme je vous dis, on produit 25 % de notre consommation. Pourquoi qu'on se ferait mal ensemble, tu sais, là? Fait que, puis, c'est à travailler ensemble. Regarde, le plus bel exemple, c'est la ruche. Avec une abeille, tu fais quoi? Tu fais quoi avec une abeille? Tu fais rien qu'une abeille. Mais avec une colonie d'abeilles, mais tu fais de la pollinisation, tu vends du miel, tu produis du miel. Il m'est arrivé, là, depuis 2 ans, des belles reconnaissances, là, que je me demandais souvent le matin, quand je partais d'ici à 6 heures du matin, pour aller à une réunion à Deschambault ou à Québec pour régler des problèmes d'apiculture, puis tout ça, pour m'impliquer en apiculture. Puis des journées qui faisaient beau, comme aujourd'hui, puis je disais, les autres apiculteurs, ils sont tout après à travailler dans leur ruche, puis moi, je m'en vais encore, tu sais, perds-tu mon temps? Puis je me mettais en question de temps en temps. Puis depuis 2 ans, j'ai eu des belles reconnaissances de mes pères, premièrement, qui ont reconnu mon apport que j'avais fait en agriculture. Puis l'année passée, j'ai été reconnu comme au temps de la renommée de l'agriculture, le premier apiculteur qui était reconnu. Ça, c'était toute une fierté. Puis là, ça s'est fait au Château Frontenac à Québec. Puis j'avais demandé à mes garçons, j'ai dit, quand j'ai eu cet honneur-là, ils m'ont aidé à monter le dossier, c'est certain, j'aimerais ça que vous soyez tous.
puis mes petits-enfants étaient là, puis ils ont vu les grands-papas sont en tribune. Ça, c'est une fierté, mais j'ai 8 petits-enfants. Fait que les vieux de mes petits-fils à 17 ans ont commencé, ça fait le troisième ou quatrième été que je passe avec lui à extraire le miel. Parce que je vois plus rush, c'est trop dur physiquement. Puis là, les deux autres petits-fils, depuis 2 ans, viennent nous aider. Fait que là, j'ai 3 petits-fils, fait que j'ai eu un été bien moins dur. Puis c'est de voir là, que ça continue ensemble. Puis, tu sais, là, avec ma fille qui va dans les écoles, là, parler d'apiculture avec eux autres. Puis mon autre fils aussi qui était intéressé par l'agriculture. Comme j'avais dit l'année passée, c'est le paradis sur la terre. Moi, tu sais, j'ai une bonne santé. Puis je peux vivre avec ma famille.